Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des vaisseaux. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le Constellation Aquila, qui fait plaisir, franchement, parce que tout simplement, c'est un vaisseau que j'ai pledge, ou je sais pas comment on dit, et que voilà, il me tentait bien. C'est un vaisseau donc destiné à l'exploration, et ça c'est cool, un petit vaisseau exploration. Alors petit, il fait quand même partie de la catégorie large. Il fait quand même dans les 60 mètres de longueur, il fait quand même 26 mètres de large, je crois, 14 mètres de hauteur, un beau bébé, hein, un beau bébé. On va sortir par là, alors on se trouve sur la PTU 3.0, avec voilà, pas mal de bugs, pas mal de nouvelles choses. Effectivement, il y a des nouvelles choses, il y a donc des bugs. Mais c'est voilà, c'est une petite présentation, le serveur est plutôt stable, donc on en profite. On va aller tout de suite retrouver notre petit vaisseau. Donc pas mal de nouveautés, hein, évidemment, dans cette PTU 3.0. Et effectivement, l'Aquila qui est en flyable. Alors, il a aussi pas mal de bugs. Quand tu te promènes sur son toit, je te déconseille, et bien évidemment, d'aller marcher là où il y a un radar. Ah, 426 mètres. Ah, je ne suis pas du tout à côté de mon vaisseau. C'est pas grave. On va se promener. On aime bien, on se promène. Donc il y a pas mal de nouvelles choses, effectivement, comme tu l'entends, le petit bonhomme qui respire. Tu vois le vital, etc., le rythme cardiaque. Ah, ça fallait pas tomber peut-être. D'accord. Plus tu cours, plus tu vas te fatiguer. Plus ton armure est lourde, plus tu vas te fatiguer quand tu marches, etc. Tu as effectivement une réserve d'oxygène. Tu as pas mal de choses. On va se calmer, on va calmer son petit rythme cardiaque. Dès que tu es en EVA, ton petit rythme cardiaque se calme. Voilà, tu pourrais être en train de te faire tirer par Michel et René, que tu t'en fous un petit peu. C'est pas très grave. Donc pas mal de nouveautés, effectivement, avec l'item 2.0 sur cette PTU 3.0. Donc voilà, évidemment, pas mal de petites choses qui ne fonctionnent pas, mais c'est quand même bien agréable. Les anneaux de Holissar qui retournent, voilà, ça c'est quand même le petit truc qui fait plaisir. On va avancer, je vais vous montrer, il y a un nouveau mobile glace également. On va aller regarder tout de suite le Constellation, on va le découvrir en hauteur. Donc le Constellation qui est effectivement un véhicule avec du cargo, donc tu peux avoir 96 emplacements de cargo. Maintenant il faut savoir que tu peux lui mettre aussi un rover à l'intérieur, le petit véhicule là qui est plutôt sympa, mais que tu perds forcément ton cargo. Pour l'instant il est équipé d'un PS52 à l'arrière qu'on ne peut toujours pas détacher. Mais voilà, le jour il est juste équipé comme ça, je pense qu'en le pledge, normalement, on devrait avoir un URSA et pas le P52, et le P52 et, ou le P72 est en option en plus. Pas très cher, in-game, je pense pas qu'il sera très cher, mais bon, voilà, c'est à savoir. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Alors, il est enfin flyable, c'est une refonte et tout ça, donc visuellement, moi, personnellement, je le trouve très joli. Donc c'est un véhicule, un vaisseau qui est fait pour 3 personnes normalement au minimum. Alors maintenant il faut savoir que tu peux très bien le prendre tout seul, mais que tu pourras pas faire de déco, radar, de machin, d'exploration en étant juste tout seul. Enfin ce sera un peu compliqué, puisque la position en fait c'est une tourelle en fait. Par exemple sur l'Andromeda tu as une tourelle armée. Ici à cet endroit là tu as en fait les panneaux qui s'ouvrent pour avoir un radar. Un truc comme ça à longue portée, donc plutôt intéressant. Il est fourni voilà avec 4 canons, des missiles, enfin un peu du classique. Ça, je te laisse regarder un petit peu la feuille de diagnostic sur le site de Robert Space Industries. Ah, ça va faire mal. Ça va faire mal. Est-ce que j'ai encore un peu de... Non, je n'ai plus rien pour me soigner, donc ça va me permettre de vous montrer rapidement le Mobile Glass. Pour ajouter, voilà, tu as une nouvelle fonte du Mobile Glass, c'est plutôt pas mal, avec pas mal de choses. Voilà, là, c'est pour quand tu vas te faire refuel et compagnie, tes missions, ton bonhomme. Et c'est là où on va aller, justement, pour aller lui rajouter des petits kits. Pour l'instant, on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin d'être directement, mais là, voilà, je peux m'en équiper. Ah, c'est pas mal ça, ce qu'ils ont. Ils ont modifié ce truc-là. Utility, Oxypen, il y en a déjà un. Très bien, ça c'est pour ajouter. Effectivement, médical. Est-ce qu'on peut s'en rajouter un deuxième? Très bien. On va sauvegarder. Et hop, on y retourne. Autre chose sur Mobile Glass, tu as accès à la Star Map.
Voilà, je te la montre comme ça. On se fait plaisir, on regarde Crusader, tout ça. Tu peux choisir. C'est comme ça maintenant que tu décides tes Quantum Travel et tout ça. Donc, tu as les lunes autour de Crusader. Et normalement, tu dois avoir, voilà, Delamar la dernière. Tu dois avoir Yela, Deimar et Céline. Tu as encore des Comeray, quelques Comeray. Et puis les Cry Astro Service et je sais plus quoi d'autre. Bref, voilà, tu as ta petite. Ta petite balade à organiser. Bon, petite seringue médicale, voilà, qui me permet de retrouver du bonheur. Donc sur l'Aquila, évidemment, bon bah tu as l'ascenseur comme sur l'Andromeda, ici. Tu as ta baie à cargo qui se trouve ici. Voilà, très bien. On va aller voir ça en espérant que ça fonctionne en passant par l'intérieur. Item 2.0, nouvelle fonction. Voilà. Maintenant, il faut savoir que l'élévateur, t'es plus obligé de sauter pour monter dedans, mais ça te le fait automatiquement. De rentrer. Ah, dis donc, t'es un peu haut, toi, quand même. Ouais, je ne sais pas si ça va le faire. Ah, ça le fait, merci Michel. Hop, go up. On regarde, c'est superbe. On est content, on est dans l'ascenseur. Trappe, dépressurisation, et bim, on arrive directement au poste de pilotage. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on aille faire d'abord, on regarde un peu les espaces tierces. Donc voilà, par exemple, tu peux t'asseoir. Donc sympathique, merci. Tu as une banquette. Tu as des casiers, voilà, au nombre de 1, 2, 3, 4, 5. Donc a priori, c'est quand même fait pour être. Tiens, on peut l'ouvrir ça? Ouh, la douche, merci. Alors, on va pas la tenter, hein, parce que j'ai pas envie de traverser. Les portes, les machins et tout ça, d'être éjecté. On va couper cette petite lumière qui nous aveugle. Voilà, donc plutôt un design, une refonte plutôt sympa. Donc tu as 4 lits, il y a 5 casiers, mais 4 lits. Voilà, tu as des lits où effectivement tu peux aller te mettre, qui seront fonctionnels pour effectivement avoir de la persistance au niveau de ton emplacement, l'emplacement de ton vaisseau et de toi-même. La baie à cargo qui est ici, donc voilà, donc on peut l'ouvrir. Très bien, très joli. Ça marche plutôt pas mal. Donc effectivement, où là on pourra aller tanker un petit rover. Voilà, on va la refermer parce que ça sert à rien pour l'instant qu'elle soit ouverte. Tu vois qu'il y a effectivement la petite rampe qui s'abaisse et tout, donc ce sera pas mal si ça peut se mettre bien au niveau de la planète où tu es. Mais bon, il faut savoir, voilà, faut que tu sois quand même bien bien droit pour arriver à faire rentrer un véhicule à l'intérieur. Les sas donc sont fonctionnels pour ouvrir sur l'extérieur, effectivement, pour rentrer dans le vaisseau ou pour en sortir, et ça c'est bien, et ça c'est bien, et tu es content de le savoir. Voilà, tu peux refermer, bim, ça se referme. Bon, la manette n'est pas encore, tu ne la vois pas encore fonctionner quand tu es à l'intérieur. Par contre, à l'extérieur, tu la vois bien s'ouvrir et tout ça, et c'est très chouette. Voilà, a priori, donc High Voltage Gravity Generator. Donc voilà, franchement, un vaisseau qui pour moi, au niveau de l'exploration, a de la gueule. Alors, on n'est pas sur du Phoenix, hein. On n'est pas sur la version cheap bourgeoise, mais c'est plutôt pas mal. Comme sur l'Andromeda, donc pour l'instant, effectivement, donc voilà la petite place pour rentrer dans son petit P52. Sympathique, voilà, on ouvre la canopie, on rentre dedans. Tu peux espérer le mettre en fly ready, hein, on peut toujours espérer. Power on. Mais c'est tout. Voilà, tu peux. J'ai pas trouvé si on pouvait le détacher ou pas. Mais voilà, en tout cas, c'est sympa. On peut rentrer dedans, comme encore espérer que, effectivement, quand la 3.0 sera sur le live et l'Aquila vraiment, voilà, sera exempt de tout bug et qu'il rejoindra son frère l'Andromède, qu'on pourra enfin libérer ce petit P52 et aller se balader voilà, dans l'espace sans avoir besoin de poser forcément l'Aquila. Donc, on a un rack de missiles, hein, je crois qu'ils sont au nombre de 24, si je ne me trompe pas, 24 ou 26. Donc, on est quand même un peu équipé pour se défendre, c'est pas, on n'est pas au niveau de l'Andromeda pour vraiment de la protection, mais c'est toujours ça de prix. Nous avons donc une tourelle en bas, effectivement, donc une tourelle armée, et effectivement en haut, donc on a la tourelle pour le radar. Ça c'est chouette, ça rentre. Voilà, on n'est pas bien là, hein, avec notre petite tourelle radar. Qu'est-ce que ça donne, ça? C'est joli, ça, regarde. On est en tourelle radar, mais ouais. Hop, donc t'as vraiment les deux panneaux, effectivement, comme ce que je vous disais tout à l'heure, qui sont ouverts sur les côtés. Et ce qui fait qu'effectivement, c'est encore buggé. Si tu marches dessus, tu tombes dedans. Ah oui, j'ai ma trappe du dessus qui est encore ouverte. Faudrait que je la referme, mais c'est pas très grave. Là, tu retrouves tes deux sas sur les côtés, donc c'est chouette. Vraiment, voilà. Moi, je trouve que cette refonte est vraiment jolie. On a les quatre canons laser à impulsion, je crois.
Et voilà, notre poste de pilotage qui est effectivement arrondi, plus tablé pour l'espace. Ce qu'on va faire, on va retourner en position interne. On va regarder, est-ce que je peux me remettre, voilà. T'as pas mal de choses, effectivement, tu peux te le mettre en power on, tu peux sortir du truc, et effectivement, voilà, c'est pour vraiment scanner. C'est pour vraiment scanner, voilà, les autres vaisseaux, tout ça, donc c'est vraiment chouette. Ça nous permet, voilà, d'avoir des informations. Alors évidemment, bon, bah, mon MFD, mon écran, là, ne fonctionne pas. Peut-être qu'il fonctionne si je suis en mode pilote et tout ça. Mais quand je sors effectivement du mode pilotage, il faudrait que je le teste avec un ami. Ami, si tu veux bien m'aider à tester tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre avant de monter encore un chill generator? Ok, on a un chill generator encore. Voilà, on a un petit peu ça, la petite lumière. Oh, c'est joli, très joli. Une petite boîte pour le life support. Ok, avionics, do not obstruct. Où moi, je me pose la question à savoir où est-ce qu'est ma cantine en fait. Je vais refermer ça parce que ça sert à rien que ce soit ouvert. Ici, voilà, tu te retrouves comme sur le Constellation Andromeda, voilà, deux copilotes et un pilote. On va se mettre tout de suite sur le siège du pilote. On va rentrer dedans et on va voir ce que ça donne en décollant légèrement ce beau vaisseau et vous montrer un petit peu juste l'effet de Quantum Travel. Je pense que ça peut être sympa, même si vous le connaissez sûrement, les aficionados de Star Citizen. Quand tu t'arrives sur ton siège, voilà, il se passe rien, tu as plusieurs choses à faire. Alors, toujours en mode item 2.0, effectivement. Ça, je vais faire un truc avant. On va faire un petit truc. Je ne suis pas sûr, mais je pense que j'ai ma loupiote d'allumer. C'est très désagréable de piloter et on ne peut pas l'éteindre pour l'instant. Une fois que tu es assis, il y a toujours des petits bugs, comme tu peux voir, par exemple, la porte qui est restée ouverte là-bas. Voilà, on va s'éteindre cette petite lumière. On va se remettre sur le siège du pilote. Et on va regarder. On va se le mettre. Alors, tu as plusieurs choses. Tu as effectivement les moteurs à démarrer, le vaisseau à démarrer. Et à ce moment-là, là, tu peux décoller. Donc, voilà. Donc, par exemple, on a l'engine on. Donc, tu peux couper ton moteur en étant en vol. Pourquoi pas? Est-ce que je peux... Ouais, ça va être chaud, 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 ça va être chaud. Oula, mon Dieu. Oula. Ah ouais, et là, on est un peu parti, non? Michel, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut... D'accord. Arrête-toi. Ça, c'était un peu tendu. Là, on partait un peu quand même sur un truc un peu tendu. Ok. Redonne-moi ma souris. Ok. Est-ce qu'on peut... Ok. Est-ce qu'on a le droit de pivoter là ou pas? Ouais, merci, on va pivoter légèrement. Merci, on a le droit de s'en sortir. Ça peut toujours être un peu épique. Donc, j'ai pas tous mes écrans. Très bien, merci, là c'est mieux. Je suis toujours en mode, effectivement, avec mes trains d'atterrissage rentrés. Très joli. Petit Aquila. On va se rentrer les trains d'atterrissage juste pour regarder. On est sur les abords d'Olissar. Très joli. Voilà, là on est rentré, on est prêt finalement à voler les amis. Ouais. Donc où est-ce qu'on va? Normalement il y a des écrans aussi là qui sont allumés, mais bon. Ah, hein, puis celui-là aussi. Et effectivement ce qui est sympa c'est que maintenant quand tu es avec un copilote, voilà, tu peux avoir tes écrans qui s'allument pour tout le monde et ça c'est chouette. Donc il faut savoir que maintenant bah, tout est cliquable, hein, tu peux aller regarder tes items, blabla, tu peux regarder si tout va bien, tu peux retourner système, menu, les discussions, tu peux demander bonjour, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut pas parler, tu as tout et ça c'est chouette, franchement c'est chouette. Weapon Shield. Est-ce que mes items Weapon Shield c'est bien? Tu peux passer en mode Steals, enfin tu peux vraiment tout faire. Voilà, en étant comme ça. Maintenant, on va partir du principe qu'on va se mettre à choisir une destination pour terminer cette petite vidéo de présentation sur le Aquila. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? On va se faire un voyage assez long. Hein, on va partir sur des Lamar, set as destination. Ok. On cut. On vire le Moby Glass. On regarde, est-ce qu'il m'a mis quelque part le... Non. Michel. Ah, le v'là. On va partir un petit peu en destination, donc, de notre beau vaisseau. Très bien. Et on va passer en mode Quantum. C'est parti pour que vous en profitiez un petit peu.
parce que c'est vraiment joli, joli comme tout. Ils ont fait un truc vraiment pas dégueulasse au niveau du Quantum Travel. Moi je trouve que ça rend vraiment bien. Faudra encore qu'ils affinent un petit peu la poussière qui est derrière. Mais c'est vraiment chouette. Hop, désolé, je fais une capture d'écran tellement je trouve ça joli. Voilà, t'as vraiment une belle. Un beau voyage. Quand t'es comme ça, ça te fait vraiment encore plus un beau voyage. Et t'arrives à Delamar, et effectivement, qui est une lune sur laquelle on va pouvoir se poser. Alors bonjour le côté marshmallow de la chose. Hop, bonjour le côté encore pas tout à fait fini, du moins de trait au niveau de la planète. Mais là, on va pouvoir aller se poser dessus. C'est chouette. Bref, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo sur l'Aquila t'aura plu. N'hésite pas à râler si jamais ça te plaît pas. Tu peux aller vers l'Evski, ça va être chouette. N'hésite pas à m'en dire plus. Je suis preneur de tout. Il n'y a pas de souci. Je te souhaite en tout cas une très bonne journée, une très bonne soirée, bon game à tous. Ciao!
proceed to assigned landing bay. Automated. Landing complete. Have a pleasant stay. Thank you.